Geolia est un bureau d'études de 70 personnes qui est spécialisé dans les problèmes de sol, qui comprend donc la géotechnique, la pollution des sols et l'hydrogéologie. Et la géotechnique est un métier à risque parce que la connaissance qu'on peut acquérir d'un sol se fait par l'intermédiaire de sondages et d'essais. Et on n'est pas à l'abri de nombreuses surprises. Ça fait presque 20 ans maintenant que je collabore avec la SMAVTP et je n'ai que des compliments à leur donner. En cas de sinistre, on a un service dédié qui s'occupe de tous les problèmes et tout ça se passe en bonne entente. Je suis juriste négociateur à la SMAVTP dans la cellule maîtrise d'œuvre. Donc concrètement, dès que Geolia a un sinistre, Monsieur Marcy me contacte. Le but, c'est d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour qu'on puisse cantonner le sinistre le plus rapidement possible. Récemment, nous avons réaliser une étude de sol pour un projet avec deux sous-sols et une technique de soutènement. Et l'entreprise a malheureusement pas mis en œuvre nos préconisations et l'immeuble mitoyen s'est déplacé. Ça a généré un arrêt de chantier automatiquement. Dans ces cas-là, j'appelle Déborah pour m'aider, entre guillemets, à défendre mes intérêts. Ma relation avec M. Marcy est basée sur un véritable partenariat. C'est-à-dire que M. Marcy a la connaissance technique et la passion, en fait, de son métier. Dès lors qu'il y a un sinistre, je vais contacter M. Marcy pour avoir son avis technique. Et non, c'est un véritable échange entre nous pour avoir une stratégie qui soit la plus opportune. Ce qui me plaît bien chez Déborah et de manière plus générale à la SMAVTP, c'est l'efficacité. Dès qu'il y a un problème, elle intervient, elle prend un peu le rôle d'un chef d'orchestre. Et donc franchement, je suis content du travail de Déborah.